Salut YouTube, c'est Clyte et on se retrouve ce soir pour une petite vidéo sur HOTS. J'espère que vous allez bien. Moi, je vais très bien. Je viens de finir de manger. Voilà, donc ce soir il n'y a pas que Gaz parce qu'il est parti en week-end avec sa famille. Et donc voilà, je me retrouve tout seul à faire une petite vidéo. Mais moi, comme ça, je suis tranquille. Et je vais pouvoir donc faire un petit test sur Alarak, le nouveau personnage en fait qui va bientôt sortir, que Blizzard va bientôt sortir sur Elder Scrolls. Voilà. Donc là, je suis sur le serveur de test et bien sûr, bah, comme je n'ai pas mis d'argent dessus, je vais pas l'acheter. On va seulement le tester dans la petite map, voir son DPS sur le mannequin et aussi bien sûr lire tous ses sorts et ses talents et voir comment il évolue en fight. Donc voilà. Trêve de bavardage, pardon, et rentrant en fait sur la map afin de pouvoir commencer à lire les sorts et à voir un petit peu ce que le personnage va donner. Voilà. Donc, en attendant que ça charge, c'est qu'à Alarak, alors j'ai pas, alors voilà, j'ai pas du tout encore regardé les sorts, ça va être la découverte en même temps que vous, donc je n'ai. Alors cette vidéo n'est pas faite en fait pour vous indiquer quel est le meilleur build d'apprendre. Non, c'est vraiment juste simple découverte, simple voir le personnage, voir ce qu'il peut donner. Et bah, pour vous en fait, si vous n'avez pas la possibilité d'aller sur le serveur de test ou si vous avez la flemme de le faire, voilà. Donc voilà, on est rentré. Bon, on va laisser Arthas faire tout son truc. On s'en fiche, au pire je resetterai un petit peu tout, c'est pas bien grave. Donc on va commencer. Alors les sorts, commençons par les sorts avant de commencer par les talents. Je vais cacher ça, voilà. Alors déjà, juste comme ça, on peut voir une petite barre sympathique là. Alarak give 100% de dommages en plus contre les héros ennemis. D'accord, bon, il y a moyen que ce soit le passif ça. Ça dit, en effet, c'est ça. C'est là-bas, ici, on voit, c'est le passif que j'aime beaucoup le nom trouvé, sadisme. C'est marrant. Alors, je connais pas du tout le. J'ai pas regardé en fait le background du personnage. Donc, c'est vrai que s'il y a des sorts que. Je pense que ça doit être un personnage. Ah non, c'est un personnage de StarCraft. C'est un personnage de StarCraft. Donc, j'allais dire que c'est un personnage de WarCraft. C'est normal, on peut peut-être retrouver des mêmes sorts. Mais là, sur StarCraft. Je sais pas quand il apparaît, ça me. J'ai pas fait l'histoire de la dernière édition de StarCraft, donc il apparaît peut-être dedans. Donc je peux pas vous dire. Bon voilà, on va commencer. Donc Discord Strike, donc c'est 100A, 8 secondes de cooldown, 62 mana, donc on peut voir la portée, c'est une triangle. Et alors c'est après 5 secondes de délai, les ennemis ont. Devant Alarak prennent 182 de dommages et sans silence pendant 1,5 secondes. Ok. Ah, donc là on est bien level 1 seulement, donc c'est 182 de dommages au level 1. Ce qui est plutôt correct, avec un grand silence. Ouais. On va essayer de le tester, reviens ici, Arta. Ok, ouais, alors on a pu voir que c'est pas du tout instant. Et j'ai l'impression que le personnage s'arrête, on peut plus continuer à avancer, on va utiliser. Hop, c'est du channeling. C'est pas mal, ça fait un peu de dégâts. C'est bon. Remettons-nous derrière le portail pour voir le Z maintenant. Alors, télékinésis. Alors, 32 mana, 12 secondes de cooldown. Hop, excusez-moi. Alors, ça crée une force et tous les ennemis qui sont frappés depuis le point ciblé. Jusqu'à le point dirigé. C'est un code de dommage. Ok, alors j'ai rien compris. Écoutez, le mieux c'est qu'on teste. Voilà, le mieux c'est qu'on teste. Alors, donc c'est CZ. Donc, on va essayer ici. D'accord. Alors là, j'ai strictement rien compris comment on utilise ce sort. J'ai l'impression en fait que. D'accord, j'ai l'impression que c'est. On doit le faire deux fois. On doit cliquer deux fois, je vais retester. Pas du tout. Alors la direction était différente. Est-ce qu'il y a peut-être un rapport avec la direction du personnage? On va tester, je vais essayer de faire ça tout droit. Hop.
Ok. Ok. Alors je ne sais pas comment marche ça. Et si ça... Alors ouais, voilà. Faut déjà juste regarder en attendant que le cooldown se charge, ça va se redescendre, que c'est un corps à corps. Donc voilà, donc les attaques, c'est du corps à corps. En fait. Donc on va essayer de... Ok, alors j'ai pas trop compris comment utiliser... Ok, là comment on dirige le sort. D'accord, ah, je pense que j'ai compris. On va attendre un petit peu. Je pense que j'ai compris. Je pense qu'en fait le sort se dirige vers nous. On va tester. Ok, pas du tout. Très bien. Alors on va passer. On va perdre plus de temps sur ce sort. Si vous savez. Alors j'ai pas regardé du tout. Si vous savez comment marche le sort, dites-le dans les commentaires. D'accord, bon allez, on va passer au suivant, on va peut-être voir plus tard si j'arrive à comprendre comment il marche. Donc Lightning Surge, 42 mana, 6 secondes de cooldown. Alors ça fait 97 de dommages à un ennemi et tous les ennemis qui sont entre vous et la cible. Ok, donc c'est une sorte de rayon finalement. 75% des dommages infligés aux ennemis sont retournés comme à 75%. C'est pas mal. Donc... Ah oui, alors là, alors ça... Ah d'accord, c'est... Ok. C'est plutôt balèze, une bonne portée. Vraiment, regardez la portée du... Ici, la portée. Ah c'est pas mal. Et du coup, tous les ennemis qui sont... Donc ça marche, c'est que pour les héros. Parce que là, il y avait un minion entre moi et la cible. Et ça... Ah si, j'ai rien dit. Ça a fait des dommages sur le minion aussi. Donc ça marche... sur tout le monde et 75% des dommages. Donc je vais essayer juste de prendre, attendez, je vais essayer de prendre un petit peu de dommages des tourelles pour voir un petit peu le hit que ça me fait. Ah bah non, ah mais non, Arthas reviens. Bon, on va tester dans la ligne et je pense que j'ai pas vu beaucoup de des dommages dites de ennemis. Ah non, ok, ennemi heroes. Donc c'est que par contre le heal ne s'applique que sur les ennemis. Les héros ennemis. Donc Arthas, tu es où? Voilà. Ah voilà. 146 de vie. What the fuck. Ah d'accord. Testons. Et si j'en touche plusieurs là? Non, pas du tout, très bien. Je pensais, ok, 146 de vie en heal. Je pense que c'est ce que je dois toucher aussi à minion. 152, non, pas du tout. Ok. Ah, mais non, Non. J'ai compris. Pourquoi je me suis mis 252 maintenant? Alors que le sort il fait que 101 de dommages. C'est que nous avons le passif. En gros, sur les héros ennemis, le sort d'heal va pas 82, pas 101, mais 202 en effet. Donc en gros, bah 75% de 202, c'est bien 150. Enfin, je fais confiance au jeu pour savoir calculer les 75%. Et merde, j'ai pris la fontaine, c'est pas grave. Ah, ok, encore on a vu le E, donc 6 secondes de cooldown, on peut voir que on peut le spammer assez vite. Donc c'est une très 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 bonne source de sustain. Donc je pense que ça va être assez difficile à tomber en lane. Et du coup, on a vu aussi du coup le sadisme, le passif qui a l'air plutôt pas mal fort sur les aéronautes. Ça va être, je pense, un bon fighter. Enfin, surtout pour 1,5 secondes de silence. Le silence qui peut, du coup, qui est représenté souvent comme un stun. Parce qu'il peut arrêter certains ultis, certaines canalisations. Donc, assez sympathique. Après, c'est vrai que la portée est très très courte, mais bon. C'est un personnage de corps à corps, hein, c'est normal. Ok, ce sort, je ne sais toujours pas comment l'utiliser. Mais c'est pas grave. Ok. Voyons voir maintenant les talents du level 1. Alors, on peut monter quoi? Le Z ou le E? Alors, remove. Alors, ça enlève le coût de mana du Z. Donc, 32 mana, je suis pas sûr que ce soit vraiment très utile, surtout avec les 12 secondes de cooldown. Non, ça enlever le coût de mana, je suis pas sûr que ce soit hyper worth. Alors, ça c'est Applied Force. Ça réduit les bonus de dommages de sadis de 10%, mais télékinésie push, bah du coup, ah d'accord, push, plus loin, 20% plus loin.
Alors ça, c'est si on joue avec télékinésie. Non, je suis pas non plus fan. Non, je suis pas trop fan. Je sais pas. Pour déplacement, ouais, mais là, non. Je sais pas. À voir. Le E, sur le E. Donc, Power Conduit réduit le mana, le coût de mana du Lightning Surge, en gros du sort, de 15 de mana. 15 de mana, ça le 6 secondes, donc ça peut, on peut le spammer. C'est vrai que 15 de mana, ça va faire. Il coûtera plus que 25 de mana. C'est pas mal. C'est pas mal. Voilà. Et increase. Ah. On augmente la range. Ok, je pense que augmenter la range, ça peut être vraiment intéressant. Merde, j'ai cliqué sans regarder en fait. Attends, tout, c'est où? Reset Talent, voilà. Donc là, c'est la range ici. On peut voir du coup que ça arrive. Attends, on va se reculer pour que ça arrive. Voilà. Au milieu de la tourelle ici. Donc si on augmente, ça, Oh, this shall be the 15%. instrument of my wrath. Ah non, mais je suis une merde. Je suis une grosse merde. Excusez-moi, je suis un peu dur à l'anglais là. C'est le soir, je suis fatigué. Non, c'est 50% en fait la largeur du rayon. C'est pas mal. C'est pas mal. Moi, je vais prendre ça. 50% la largeur du rayon. On a combien maintenant? 520? 6 secondes, non. Non, pas, je pense que coup à mana, c'est pas forcément hyper utile. Donc, non, non. La grosseur, c'est bien. La grosseur, c'est bien. Alors, la largeur, pardon. Level 4, bah parfait, on passe au level 4, oui, bah, je vais set un level à chaque fois, ne vous inquiétez pas quand on arrivera au prochain level, je vais taper le truc. Alors, on accélère un petit peu, donc là on peut monter le A ou encore le E, donc alors, sur le A, double cross, ça, bah là ça augmente du coup la portée de Discord de 25%, et ça aussi, ça frappe aussi en ligne perpendiculaire. Ok, donc en gros ça va faire comme ça va rebondir, en fait ça va refrapper perpendiculairement à la forward strike. Ok, peut-être. Donc ça va frapper deux fois et il y aura plus de rounds. Ok, bon, peut-être. Je sais pas, à voir. Alors reckless strike, réduit les délais de discord de 0,5 secondes, mais alors ok, pas grand chose, mais si vous touchez un ennemi ou si vous touchez un ennemi qui est devenu en fait vulnérable, causing à la 27% de mort damage pour 2 secondes. Ok, d'accord. If it hits an enemy, you become vulnerable. Ok, ok. Alors ça sera à voir. Sick of Discord. Réduit le cooldown de 2 secondes. Ici, Discord hit no enemies. The mana cost is open and cooldown. Ah! Ça, c'est pas mal. C'est, en gros, c'est si vous touchez rien, même pas personne, le mana est, et vous est rendu, et le cooldown est réduit 3 secondes. Du coup, ça veut dire que le cooldown est, passe à 3 secondes, au final. Si vous loupez quelqu'un. Ouais. D'accord. Increase Lightning Surge range. Ah voilà, là c'est bien la range de Lightning Surge. Donc on va tester juste celui-là. Alors déjà on va tester celui-là. Ah ok, ça fait une épée. Ça fait l'épée, mais ça fait un petit peu l'épée de merde. De oh putain, oh, là j'ai un gros trou. Du méchant dans le Star Wars. J'ai oublié le nom. J'ai oublié son nom. Bon tant pis. Bah, c'est l'épée stylée. Ok, pas fan. Alors, c'est vrai que la portée est bien plus grande. On peut voir que la portée est quand même plus grande, plus facile de le mettre. Ça hit les personnes sur le côté. Ouais, c'est pas fou. Je suis pas. Alors, ça, j'ai pris quoi? J'ai pris ça. Hop, alors, ça, c'est. On va tester ça. Le deuxième, alors, je sais pas trop comment on peut se poser le deuxième. Hop. Ah, alors j'ai eu un petit truc. Je deviens vulnérable ou non. Alors c'est de la merde. Je deviens vulnérable pendant et je prends 25% de dégâts en plus. Ok. Ok, bon.
Soit. Oui, d'accord. Ouais, donc ça c'est pas utile. Oh, on va prendre on va partir sur le. Oh putain, la range. Ah ouais. On est. Voilà, on est pas du tout corps à corps et on va se jouer mage, le perso. On va se jouer mage, cool. Hop, on le recule. Et on va le tuer. Bon, alors c'est un boss, c'est normal, c'est facile. Allez, on continue. Alors, c'est level 7, on va aller au level 7. Allez, j'aime bien aussi pas aller directement au level 20 parce que comme ça je peux voir en fait l'état des dommages en fait en fur et à mesure du temps. Voilà, donc c'est pour ça que j'aime bien les garder de pas directement au level 20. Alors on peut faire quoi? Z, Z, E et E. Mais non, il m'a reset ses cooldowns. Ah non, je suis level 1, c'est normal. Bon. Dame, hop, alors là on a quoi? A, E, E et E. Ok. Quest. Alors, each time this. Alors, ça c'est quoi? A chaque fois que hit un héros, ses dommages sont increased by 3 up to 45. Ok, donc on peut augmenter jusqu'à 45 de dégâts en plus le A. After hitting 15 héros, increase the damage by. Ok, donc en gros, si on touche qu'un héros, 15 héros, on peut. On augmente en fait de 90 dégâts. De 90 dégâts le A. C'est pas mal, c'est vraiment pas mal. Alors le qu'on a déjà monté deux fois le, j'espère qu'il y aura un bon truc. Héros entre le 1, entre la victime et toi et, le, et votre personnage. Ah okay, cool. Ok, donc toutes les dans tous les héros. Ouais, donc tous les héros en fait qui sont entre la cible et vous. Vous font réduire en fait les cooldowns de 0,2 secondes. Alors je comprends pas pour s'il y a 5 personnes ça fait qu'une seconde up to. Ah permanently. Ah ouais non ok pas compris. Donc en gros il faut juste toucher 10 héros en fait entre les targets, donc assez simple à mettre. Et vous avez 2 secondes en moins sur le lightning. Il va plus qu'à 4 secondes. Ah, c'est fort. À 4 secondes, c'est pas mal. Et à 4 secondes, là, j'hésitais à prendre la réduction de mana au level. Et reduce status. Alors, on réduit le fait les dégâts d'héros de 10% du passif. Lightning Surge. Ah, c'est pour ça qu'il y a en fait y a une barre qui décroît. C'est parce qu'on peut, en fait, avec le sang, on peut. Décroître en fait cette attaque pour slow enemy is between you and the victim by son. Oh là 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 là, ok, ça peut faire un gros slow des familles pendant 1,5 secondes. Alors là, je sais pas. Alors, on va faire la quête. Ça sert strictement à rien que je fasse la quête. Parce qu'il y a pas de héros entre moi et lui. Donc on va pas prendre celui-là, on va prendre celui-là. Alors, en plus parce que je vais jamais voir. Ok, bah tant pis. Alors entre les deux. Alors passons au level 10, en fait on va passer le level 1 parce que c'est vrai que ça. En fait ça va être chiant. Ça va être chiant, sinon tu vois à chaque fois. Je pensais pas qu'ils allaient me remettre à zéro les coups de. Enfin. On va faire ça comme au début, on a dit que c'était comme ça. La quête. Alors, l'ulti. Le fameux ulti. Alors, channeling, donc en gros c'est je charge et ça fait 430 tous les ennemis en fait dans le chemin de Dalaraq. Distance is increased but channeled. Ok, donc en gros plus je canalise le pouvoir, plus je vais loin. Remove other way listening will cancel stop. Ok, donc en gros. Si y a quelqu'un qui m'interrompt mon canalisation, bah ça prend pas de will cancel, bah ça fait pas perdre de coups. Ok. Counter strike. j'aime bien le nom. Alors arc become protected and channel for 1 second. Alors je deviens protégé et je canalise pendant 1 seconde. Si un héros attaque à l'arc durant ce temps, l'arc envoie une shockwave, donc une vague en fait autour de moi j'imagine, qui dit 748 de dommage. Alors testons le R. Allez, testons celui-là.
Alors, non, si je fais R, ok. Alors déjà, on peut voir la petite distance. Ok. Hop. Il est mort. Donc oui, du coup, il y a écrit 439, mais en fait, ça fait 800 de dommages. C'est pas mal. Alors, c'est pas mal, ça que 52, 62 cooldown, c'est... Moi, j'aime bien. J'aime bien le sort, donc on va tester l'autre outil, bien sûr. Par contre, est-ce qu'elle réussit? Est-ce qu'elle me touchait? Attends. What? C'est quoi ça? Ok. Alors, le triangle, ça, c'est la shockwave. Ouais. Ça a fait plus de dommages que l'autre. Mais il faut se faire toucher. Du coup, au niveau pro, quand on verra Alarak se canaliser, normalement, on devrait pas pouvoir le devoir toucher. Une seconde, c'est très très court, comme vous avez pu le voir. Je vais juste. Google cooldown. Non, pas Google cooldown. Voilà, hop. Donc, je vais juste refaire un move en essayant qu'il me frappe. Je veux juste essayer qu'il me frappe. Faut juste qu'il me frappe. Hop. Frappe-moi. Non! Même le bot il brain! Non, mais c'est quoi ce. Ok. très bien. Bon, alors, cet outil, pas fan. Je préfère la charge. Dissonance. Alors là, on est au level 13. Reduce sa dise to increase. Alors, on réduit de 10% sa dise, mais on écrit distance rate silence sur action. Ok. Pour augmenter le silence du A. On peut augmenter les dommages du télékinésie. Ouais, pourquoi pas. On peut faire que télékinésie soit slow en échange du sadisme. Et un truc sur le passif, ça j'aime bien ça. Quand un héros allié meurt, sur sadisme bonus il inclut de 8%, statting appliqué en devant, disponible sur les canons de consume, ban active, organ et slot. Ah, ça c'est pas mal. Ça. C'est assez con, parce que plus il y a des héros alliés qui meurent, plus vous devenez fort. C'est assez marrant comme principe, j'aime beaucoup. Allez, prenons-le. Je vais peut-être mettre... non, je pourrais pas, parce que Malfurion est beaucoup trop fort dans ce mode de jeu. Tant pis. Mais bon, j'aime beaucoup. Alors, on arrive level 16 bientôt. Alors là, c'est un petit peu long, désolé, on est long. Alors, réduis le dommage. On enlève de 10%. En fait, je suis sûr que si on prend tous les sorts, on peut finir à 0%. Donc, quand même pas. Alors, End the Clone, oh, 6 secondes. Ok, on divise par 2 le cooldown de télékinésie. Ça donne un bonus. Et range, ok. Ça augmente la range contre la portée contre 10% de sadisme. Sustaining Power. C'est. Augmente le heal qu'on reçoit. 30%, oh putain. Ah oui, là on augmente le heal de 30%. Alors ça augmente tes dommages des ennemis, enfin subis par les ennemis frappés by the star beam of the star, but you does not generate any additional healing. Je pense qu'on peut faire masse dégâts. Faisons ça. Je vais vérifier. Franchement, c'est mieux que toujours. 395. Ouais. Si. Allez, j'ai pas. Ça m'a aidé ou ça m'a pas aidé, si. J'ai pas vu. Excusez-moi, j'ai pas vu. C'est ma idée. Bon. Vous êtes talent. Moi, je veux l'autre. Je veux l'autre. Oh, this shall be the instrument of my wrath. Donc là, je lui beaucoup plus. On va tester ça. Alors, et level 20. On va tester ça juste après. Level 20. Parce que j'ai. Oh non, j'ai pris Counter Strike. Ah non. What? Ah, alors là, il y a un bug. Parce que je peux pas prendre le R. Mais je peux prendre celui-ci. Challenge as the zone and become the after. Ah, il y a un petit souci. Un petit souci des sorts. Ok.
Parce que si je prends ça, ça... Alors, vous allez will take over your tree button. Ah non! Ah non! Ah non, 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 non! Ok, alors j'ai l'impression que si je prends ça, en fait, je vais avoir les deux ultis à la place de sadisme. Ah ouais! C'est ça! Ah ouais, on peut avoir les deux ultis en fait. Mais j'ai plus sadisme. Bah si, toujours sadisme. D'accord. Ok, donc en fait, on peut avoir les deux ultis. D'accord, très bien. C'est intéressant. Et attends, je vais juste voir si on a encore les... Non, c'est... Bah si, c'est ça. C'est bien ça. On a les deux ultis. C'est marrant. Bon, et avec quoi d'autre sinon? Cleanse and teleport, activate to remove all routes, slow and ok, that's une cleanse. Last slow will reduce. Aha! Ok, stylé. Activate to reduce sadis bonus. Bah, on sort et reduce de couleur. Ça peut être Asti Bergen. Ah non, j'ai compris. Aha! Ah là 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 là, je ne comprenais pas ce que c'était à Cybergun au début. C'est parce que on l'a là. Alors c'est ici. This bonus ça dit qu'à notre big consume, bah à Cybergun est. Ok, d'accord. Donc en gros, c'est pure malice là. Ça peut être combiné avec Cybergun. Ouais, ouais, ouais. Killing spree. Ok, bon. Voilà, on a vu un petit peu tous les sorts. Et en fait, ça, j'ai l'impression que ça increase de 100% en fait les dommages que sont pris que prennent les personnes en fait à un tort de mon rayon. On va tester. J'ai envie de tester ça. Hop. C'est ça. Les minions maintenant, ils prennent 411 comme le héros. Regardez. C'est-à-dire que maintenant, toutes les personnes, donc c'est mignon ou quoi, donc c'est pas forcément hyper utile, je pense. Parce qu'en fight, on a plus close, focus, ça sert pas à grand-chose, mais regardez, c'est pack 411 à chaque maintenant. Voilà. Donc ça, c'est où je veux. Où je veux, sur toute la map. Ah non. Et par contre, je suis à 0. Oui, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, je suis pas... Ok, c'est vraiment en cas d'extrême urgence, quoi. Parce qu'après, un PV, un petit poison... Ah oui, mais ça clean tout. Mais après, un petit poison... Prenez un petit truc... Ouh, ça frappe fort, par contre. Hop, attention, attention. PGM. PGM du game. Hop, voilà. Alors, on va tester un petit peu... Alors du coup, en dommages par seconde, on est à peu près en moyenne, j'imagine, à 319. Peut-être un peu plus, je sais pas combien c'est les attaques par seconde. Ah ben, du coup, ce sera un peu moins que 319. Non, mais non, non. Non, il fait une attaque par attaque par seconde. Du coup, c'est-à-dire que ça sera un peu plus que 319. Ah, il va. Ok. Bam. 790, ok, ça compte pour mes héros ça. Donc le A fait très mal en fait. Donc, le A fait mal. Alors, dommage parce qu'il n'y a pas les cooldowns à 4 secondes, par 410 de dégâts, hyper rang. Ouais, je sais pas si c'est lui qui va être. Moi j'aime bien le lightning. Après, c'est comme ça, le passage de corps à corps. Le A est plutôt fort. Le A, franchement, fait mal. On va déplacer le bonhomme. Oh, je sais. Ouais, c'est déplacer le mannequin vers Arthas, comme ça je pourrais essayer de stacker. Non, on va pas faire ça, ça prend beaucoup trop de temps.
surtout si j'aime le coup. Bon, tant pis, pas grave. Voilà, voilà. Donc, c'était la présentation de Alaka. Voilà, donc c'était bon, on a pris un peu de temps hein, pour expliquer tous les sorts, pour voir un petit peu ce qu'il faisait. Alors le Z, j'ai toujours pas compris. Quand vous avez compris comment utiliser, bah dites-moi. Hein. Dites-moi en commentaire, voilà, voilà. Donc, ouais, je sais pas. Alors, il y a peut-être sur le A, ça va se jouer sur le A. Avec certains principes, hein, comme là. Ou sur le E. Voilà, je pense que ça va être sur les deux sorts que ça va se jouer. Après, au level 20... D'avoir deux ultis, c'est pas mal. Je pense que les deux. Ah, franchement, je trouve que avoir deux ultis, c'est plutôt ouf. Surtout, le Counter-Strike, c'est assez difficile parce qu'il faut vraiment qu'on se fasse toucher. Mais en fait, si vous arrivez à vous mettre dans un bon ulti ou tout comme ça, vous êtes obligé. Vous semblez être obligé parce que vous êtes protégé. Donc, si vous commit dans un ulti, bah, vous êtes protégé, vous prenez pas les dégâts et votre sort du coup est activé. Et donc c'est plutôt pas mal. Là en gros je pense que surtout ça va doubler les dégâts sur les héros. Donc ça fait 570, donc ça va faire du 1100. Après vous enchaînez ça fait 900 plus 400. Alors je pense que ça peut être un très très gros burst ce personnage. Voilà, je crois qu'il est en assassin. Donc voilà. Non, le personnage a du potentiel, je pense, a du potentiel. Voilà, on va zoomer sur lui. Hop, on va aller dans... Hop, faire toute sa vie. Et on va zoomer sur lui. Pour la fin, voilà. Et bah écoutez, merci d'avoir regardé cette vidéo. Désolé si elle était un petit peu longue. Mais je voulais bien présenter en fait le personnage. Et m'amuser un petit peu pour que vous voyez à quoi il ressemble. Voilà, donc je laisse à la fin tous les dommages. Donc 1,93 de régène par seconde. 4330, ouais c'est pas mal. 4000 de vie, c'est pas. Soit si c'est un assassin, c'est. Après, c'est au corps à corps, donc c'est. Il est un petit peu tanky, quoi. C'est un petit off tank. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, bah. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. À mettre en commentaire si vous avez envie. Si vous. Si, alors, s'il y a des trucs. Si vous pouvez m'expliquer comment je marche le Z, ça me ferait plaisir. Et voilà. Donc, bah écoutez, bonne soirée. Et bonne fin de week-end. Et à la prochaine. Ciao, ciao!